Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de l'agent Jones. Donc l'agent Jones, vous allez pouvoir débloquer des variantes. Il y a 5 variantes au total à débloquer que je vous présente à l'écran. Donc il y a la variante Bond 15, donc celle-ci. Ensuite il y a le Bond 23, le Bond 31, celui-là c'est mon préféré en plus. Le Bond 42 et le Bond 88. Alors pour chaque variante, vous allez devoir atteindre un palier dans le pass de combat. Donc la première variante que vous allez pouvoir débloquer, c'est au palier 14. Et le défi que je vais vous présenter là maintenant tout de suite est d'enquêter sur l'anomalie détectée à l'Azileg. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans cette maison-ci. Donc là, je vais vous le montrer sur la carte. Donc c'est à l'Azileg, la maison jaune, donc qui se trouve juste ici, voilà. Ensuite, quand vous êtes dans cette maison-là, vous allez descendre. Ici, vous allez entendre un papillon. Donc une faille, une anomalie. Alors l'anomalie sera juste ici et en fait vous allez devoir la suivre. Elle va passer à travers ce mur là. Vous cassez le mur juste ici, comme ceci. Et là l'anomalie va se mettre ici. Ensuite vous allez devoir l'activer en cliquant sur carré juste ici, en appuyant sur la touche action juste ici. Et ensuite vous aurez 4 couleurs. Alors la première couleur ce sera celle-ci. Puis ensuite ce sera celle-ci. Ensuite celle-ci. Et ensuite celle-ci. Alors je ne sais plus exactement c'est quoi les couleurs, mais je vais regarder vite fait et je vais vous dire ça. Oh là, il m'a fait peur celui-là. Il est fou quoi. Ok, donc en fait d'abord ce sera la couleur rouge, ensuite ce sera la couleur violette, ensuite ce sera la couleur bleue et ensuite ce sera la couleur verte. Vous allez devoir les actionner dans cet ordre-là et ensuite il y aura une faille qui apparaîtra et vous devrez interagir avec la faille. Et là vous débloquerez le défi et vous débloquerez une variante du skin Agent Jones. Alors ensuite, le deuxième défi pour la deuxième variante est d'enquêter sur l'anomalie détectée à l'île de requin. Donc il faudra être palier 28 pour pouvoir accéder à ce défi. Alors pour pouvoir réaliser le défi, vous allez devoir vous rendre sur l'île du requin qui se trouve juste ici en haut à gauche. Donc moi comme j'ai pas débloqué le palier 28, je sais plus, enfin celui que je vous ai dit, j'ai pas accès à la mission. Mais je sais que ça se passera ici. Donc juste ici il y aura une sorte d'hologramme. Donc vous allez devoir ici sauter tout simplement. Ensuite il y aura un autre hologramme qui sera juste là. Et en fait l'hologramme il indique ce que vous devez faire. Ici l'hologramme indiquera que vous devez vous accroupir comme ceci. Et là ici il y aura un autre hologramme juste ici. Et là cet hologramme va vous demander de faire une émoticône. Donc vous faites n'importe quelle émote, n'importe quelle danse. Et ensuite vous attendez quelques secondes et logiquement, normalement c'est sûr à 100%, il y aura une faille qui apparaîtra là, donc une anomalie. Vous interagissez avec l'anomalie et vous aurez terminé le défi et vous débloquerez la variante de Jonesy. Ensuite, le troisième défi qui vous débloquera la troisième variante est d'enquêter sur l'anomalie détectée à Catty Corner et il faudra être palier 49 pour pouvoir accéder à ce défi. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à côté de Catty Corner juste ici où je me trouve dans le gameplay. Donc regardez juste ici. Hop. Alors comme d'habitude, moi j'ai pas encore le palier 49-48, donc j'ai pas l'anomalie qui apparaît juste ici, mais normalement elle devrait être juste là. Ensuite, ben, vous vous approchez de cette anomalie et l'anomalie va traverser cette porte et va se cacher juste ici derrière le coffre. Et là en fait ce que vous allez devoir faire, c'est faire boum. Donc il va falloir exploser une bonbonne de gaz, voilà, juste ici, regardez. Boum. Donc vous ramassez la bonbonne de gaz, vous la mettez juste à côté de la faille, donc juste ici, hein, voilà, comme ceci. Oups. Oh bah putain, je l'ai esquivé de justesse, hein. Et bah logiquement, là, comme elle a explosé à l'intérieur, ça a dû fonctionner. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'ai même pas tapé la bonbonne qu'elle a explosé. Mais ouais, d'accord. Donc vaut mieux la lancer comme ça, je crois. La lancer comme ça. Ok. Ok, elle pète pas toute seule en fait. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la taper. Hop. Allez, elle veut plus péter. Ah mais elle est pas casse-couille en fait, ce truc-là. Hein, elle est pas casse-couille du tout. Vas-y, tu sais quoi, attends. On a une troisième, je crois, voilà, juste ici. Oh, magnifique.
Donc, pour être sûr, hein, vous faites péter toutes les bonbonnes. Hein. Mais logiquement, là, normalement, vous pouvez déjà interagir avec, avec la faille. Enfin, avec l'anomalie. Mais vous avez vu que ma bonbonne, elle a carrément disparu. Truc de fou. What? Ah, je crois qu'elle avait disparu aussi. Hop, on ferme la porte. Voilà, là, c'est sûr, frérot, si tu fais comme ça. C'est sûr, après, ben, tu viens ici. T'appuies sur carré. Et bah, tu interagis avec l'anomalie et tu termines le défi, voilà, tout simplement. Ensuite, la quatrième variante qui sera débloquable au palier 60 est d'enquêter sur l'anomalie détectée à Stilty Stronghold. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Stilty Stronghold, donc juste ici sur la map, vraiment exactement ici. Alors moi, je n'ai pas l'anomalie qui spawn, mais vous, l'anomalie sera juste ici où j'ai mis mon ping. Donc, vous interagissez avec l'anomalie. Ensuite, l'anomalie va continuer à voyager jusqu'ici. Elle va prendre le même chemin que moi, donc vous faites exactement le même chemin que moi et ben, vous suivez juste l'anomalie. Après, elle va se stopper ici. Il faudra l'approcher pour qu'elle bouge. Ensuite, elle va aller juste à côté de cet arbre-là. Donc, vous l'approchez. Elle bougera encore. Là, elle va descendre par ici. Donc, faites attention aux ennemis, bien entendu. Là, elle va passer à côté de ce bâtiment-là et elle va aller se stopper juste ici. Et là, ensuite, elle sera enterrée. Donc, vous aurez juste à taper dans le sol pour la déterrer et ensuite interagir avec l'anomalie pour terminer le défi et débloquer la variante de l'agent Jones. Et le cinquième et dernier défi qui vous débloquera la dernière variante est d'enquêter sur l'anomalie détectée à Weeping Woods. Et là, vous devrez être palier 76. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Weeping Woods, exactement ici où je vous montre sur le gameplay. Donc faites attention à la gardienne de la tour, parce qu'elle est juste derrière moi. Donc là, il y aura l'anomalie qui se trouve juste ici. Vous aurez juste à vous approcher d'elle. Et ensuite, elle va commencer à monter l'anomalie. Il faudra la suivre, monter jusqu'en haut. Et là, il vous faudra un petit peu de matériaux pour construire une petite rampe juste ici. Voilà, comme ceci, avec un petit toit. Et l'anomalie se trouvera juste sur le bout de... sur le dessus de ce petit toit. Voilà, vous aurez juste à interagir avec l'anomalie pour débloquer la dernière variante de l'agent Jones. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de l'agent Jones. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.